Bonjour mes chers élèves, bienvenue pour une nouvelle séance de la découverte du monde. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la saison du printemps. Mais avant cela, on va faire un petit rappel de la séance précédente, la saison d'hiver. Alors les enfants, pendant la saison d'hiver, il fait très très froid. La pluie tombe souvent. Et il peut neiger ou geler. Les animaux hibernent, ils vivent au ralenti. Et il faut bien se couvrir pour ne pas prendre froid. Alors les enfants, maintenant passons à la saison du printemps. Alors, le printemps commence le 21 mars et se termine vers le 21 juin. Il dure à peu près 3 mois. La saison du printemps vient juste après l'hiver et bien avant l'été. Quand le printemps revient, on oublie la neige et le froid. Maintenant, le soleil se lève de plus en plus tôt et se couche de plus en plus tard. La nature a beaucoup changé et ça me plaît beaucoup. La nature s'éveille au printemps. On peut voir fleurir au jardin les jonquilles, les tulipes et les muguets. C'est vraiment très beau à voir toutes ces fleurs multicolores. Dans le ciel, on peut voir les hirondelles qui volent et les oiseaux qui gazouillent sur les branches des arbres. Comme j'adore le chant des oiseaux. Au printemps, les bourgeons éclatent et les branches des arbres fruitiers se couvrent de fleurs. Au printemps, les animaux se réveillent de leur lent sommeil et sortent de leur cachette et commencent à avoir leurs petits. Le printemps est la plus jolie des saisons. Les oiseaux chantent, les arbres bourgeonnent, les fleurs colorent la nature et le soleil illumine nos journées. C'est la saison idéale pour pique-niquer et passer du beau temps dans la nature. Le printemps est la saison du bonheur, de l'amour et du bien-être. J'adore le printemps. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup pour votre attention les enfants. À la prochaine. Au revoir.